On n'a que deux options dans la vie. Ou tu prends la position du donneur, ou tu prends la position du receveur. Et celui qui donne est à l'entonnoir et a toujours à donner. Ça entre toujours. Mais si tu prends la place du receveur, tu passeras ta vie à quémander. On va prendre ça. Je veux prendre. Bon, maintenant ici, je voulais prendre un exemple. L'Afrique qui demande, mais je vais dire non, il ne demande pas. Si les ressources n'étaient pas pillées, il ne serait pas dans le manque. Mais on pille vos ressources et on vous rend en mendiant. C'est pour ça, et ils tendent la main. Mais vous tendez la main à qui? Mais en réalité, est-ce qu'ils tendent la main? Mais on vous fait croire que vous tendez la main, mais c'est vous qui donnez. Mais c'est un chemin non-retour. Parce que la preuve, si je veux voir la relation France-Afrique depuis qu'ils prennent, ils prennent toujours. Mais pourquoi ils sont pas rassasiés depuis la colonisation? Ils continuent toujours aujourd'hui, si je prends le franc CFA. Mais est-ce qu'ils ont donc beaucoup parce qu'eux, ils exploitent les autres? Non, sinon ils auraient arrêté. Mais ils sont donc dépendants. Je ne sais pas si dans cette relation, c'est l'Afrique qui est esclave, francophone qui est esclave, ou c'est la France qui est esclave. Qui est vraiment l'esclave? C'est celui qui est à perpète dans le besoin et qui prend chez l'autre. Heureusement que la mère terre produit toujours. Mais bien sûr, vous voyez que parfois, vous pouvez positiver les choses. Hein? Parce que maintenant, pendant que je parle, je me rends compte que, mais en fait, c'est la France qui est le mendiant ou c'est l'Afrique qui est mendiant. Mais bien sûr, c'est la France. Si nous reprenons, nous demeurons dans cet enseignement, la France est mendiante. Ou c'est mendiante, c'est égal, c'est le pays. Je ne parle pas des hommes, hein, des humains, non, non, c'est un système. Le système mendie, et il est dépendant. Il s'est enfoncé. Parce qu'il pense que ce système pense qu'il a besoin de l'Afrique pour vivre. Non. Même si l'Afrique disparaissait, tu verras que tu vas vivre. Mais dans cette relation parasitique, c'est chacun qui va maintenant regarder où est-ce que je suis. Parce que à partir de ce message, révélation sur révélation, je comprends que le mendiant dans cette affaire n'est pas l'Afrique, mais c'est la France. Le prisonnier dans cette affaire, ce n'est pas l'Afrique, c'est la France. L'esclave à ce niveau, ce n'est pas l'Afrique, c'est la France.